Je sais pas qu'est-ce que le monde parle dans le détail. Ceux qui doivent trouver que j'ai pas un grand enthousiasme à me revoir. Avant, je les écoulais dans une boutique, mais là, la boutique a fait faillite. Alors, je les... Des fois, je les vends en dos. Je vends maintenant une fortune. Alors, les deux frères vendeurs, il y avait elle, moi, et un autre artiste qui est là-bas. Puis, ils nous ont enlevés. Pour mettre des cabanes à sucre, puis des bouquets de fleurs. Très bien fini. Ça... Moi, j'ai pas eu trop de troubles, mais pour les anecdotes que j'aime le plus. C'est vraiment des spectacles. La sérigraphie cheap. Ouais, ça c'est. Ça s'enlève bien. C'est de la trichromie, fait que j'ai en 4 couches de couleurs.
like, you know, that to your better corner because the sun and food. And man, you don't get sun. No, you do get sunburn, but you don't get red. Wow. Je peins ce que je vois, ce qui me frappe, le quotidien, la vie gay dans une grande citadelle mondiale, tout simplement. C'est à peu près pareil. La vie qu'on mène à Montréal en tant que gay, c'est la même vie dans une citadelle ouverte. Là, on parle pas de Moscou, mais dans les grandes villes, Cape Town ou Sydney ou Tokyo, c'est à peu près le même genre de vie qu'on mène. Los Angeles, New York. Mon regard est le point de vue d'un homme gay sur le monde en général. Alors, c'est sûr que si je peins mon quotidien, je peins des gays, des lesbiennes, des drag queens. Mais en même temps, si je fais des paysages, souvent je vais faire des autoroutières, des autoroutes, des sentiers, des endroits qui ont une poésie pour les gays. Si je fais des scènes de genre, je peux peindre des urinoirs et appeler ça tea room parce que les urinoirs ont une certaine nostalgie chez les gays. Souvent, mon choix d'image dépend de l'observeur moi-même qui est une personne gay.
Ben, c'est pas galier, tu t'en voudrais t'en face. Mais il y a aussi des toilettes qui sont. C'est nacho. C'est Michel Richard qui me sert de sujet, mais ça finit toujours par ressembler à Marilyn fucking Monroe. Mon marché, c'est tout le monde. C'est partout, j'en vends partout dans le monde. Ben c'est ça, j'ai vendu ça à quelqu'un qui est au Pakistan, des mouches, mais c'est vrai que je pensais que j'en avais d'autres. J'ai des vendeurs, j'ai pas d'agent, mais j'ai des galeries qui me vendent un peu partout dans le monde aussi. Puis j'en vends moi-même aussi. Thank you.
stuff.